Un résumé de la série d'exploration Reef épisode 0. Cette série d'exploration Reef qui vient de commencer avec l'épisode 0, le DevRel, Janesh Bachchandani a abordé certains points. Les grandes lignes sont une introduction de Reef Chain, une présentation des outils de développement tels que Reef Exclusive Remix IDE, Reef Arda Support, Reef WeKit et bien d'autres choses. Vue d'ensemble de l'écosystème Reef. La nouvelle initiative de Reef Lab pour soutenir les développeurs à travers le programme d'accélération de 10 millions de dollars. Les plans à venir avec Reef. Vous voulez plus de détails ou bien suivre cette série d'exploration Reef en exclusivité? Rendez-vous dans la description de la vidéo pour avoir accès au lien vous donnant accès. Restez à l'écoute pour le prochain épisode de la série d'exploration Reef qui sera bientôt disponible. À présent, parlons de Reef Swap. Son lancement est imminent et il n'est plus pour longtemps. Reef Swap est la solution simple et unique pour échanger entre différents jetons Reef 20 sur Reef Chain. Vous devrez créer un compte Reef et le connecter à EVM dans votre portefeuille Reef en un clic avant d'effectuer des transactions. Vous auriez également besoin de jetons natifs dollar Reef dans votre portefeuille afin de payer les frais de gaz pour les transactions. Reef Swap utilise les avancées techniques mises en œuvre dans Reef Chain pour prendre en charge des transactions ultra rapides à des frais de gaz extrêmement bas. Plus besoin d'attendre des minutes pour voir vos transactions réglées, ou pire, de les voir échouer en raison du changement du ratio de prix des jetons au-delà du glissement autorisé. Les transactions seront réglées en quelques secondes sur la Reef Chain. Reef Swap sera bientôt mis en ligne sur le Reef Chain Testnet pour d'éventuels tests et corrections de bugs avant d'être officiellement sur le mainnet de Reef. Le lundi 26 juin 2023, Reef Swap sera ouvert aux détenteurs des 10 000 NFT largués à l'occasion de la célébration des 10 000 premiers wallets ayant été ouverts sur Reef.